Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois d'octobre. J'ai bel et bien dit pile à lire et non pas pal des cartes puisque nous n'allons pas utiliser le plateau de la pal des cartes pour le mois d'octobre. Cependant, pas de panique pour les fans. Si vous ne le savez pas, la pal des cartes que j'ai créée est inspirée par le Bukoplaton de BK, son jeu du Bukopoli. C'est un jeu qui est basé sur le Monopoly, donc on a un plateau de Monopoly et à la place des rues ou des gares, on a des critères de sélection, des prompts pour choisir un livre et lire ce livre. On lance les dés, on lance 2 dés, si on fait un double, on rajoute un ces 2 dés à la fin, et en général, je lance 5 fois les dés, plus s'il y a des doubles. Les règles sont exactement les mêmes, j'ai juste adapté le plateau du Bukopoli de BK pour en faire mon plateau de la pale des cartes. Tous les ans, BK propose une version du Bukopoli qu'elle appelle le Bukoplaton et sur lequel on peut jouer, c'est un plateau spécial. Pendant un mois, et en général c'est au mois de septembre. Or, cette année, BK a beaucoup voyagé en septembre et elle a décalé le Bukoplaton au mois d'octobre et elle l'a appelé le Spookoplaton. Donc, vous allez retrouver le plateau, qui est plus ou moins exactement le même visuellement que le Bukopoli et la pale des cartes, seulement les critères de sélection sont un petit peu différents. Ils ont été adaptés à la Spooky Season, à octobre, à Halloween. Et c'est trop bien. J'ai trop hâte de commencer ma pile à lire parce qu'elle est juste phénoménale. Donc, pas de pal des cartes au mois d'octobre, mais le Spookoplaton qui, plus ou moins, est exactement la même chose. Donc, avant de lancer les dés, on va faire un petit peu le point sur ma pile des cartes du mois de septembre. Pour un one shot, je devais lire Le fantôme d'Evermore Castle de Camille Noël, je ne l'ai pas commencé. Pour une nouveauté, je devais lire Jusqu'en enfer, le tome 2 d'Alex Stern de Leigh Bardugo, je l'ai lu. Et j'ai aussi relu le tome 1, ce qui explique pourquoi le résultat de ma pile des cartes de septembre est si mitigé, comme vous allez le voir. Pour le mieux noté dans ma pile à lire, le livre le mieux noté dans ma pile à lire, je devais lire l'intégrale d'Ivy Wild. De Hélène Harper, je ne l'ai pas commencé. Pour un titre en un seul mot, je devais lire Apostasie de Vincent Tassi, je l'ai lu, et j'ai aussi lu Loin de lui le soleil et la nouvelle qui se trouve à l'intérieur, puisque c'est une intégrale. Pour un titre en quatre mots ou plus, je devais lire The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi, je ne l'ai pas encore commencé. Et ma lecture bonus en VO, c'était Babel de R.F. Kuang, et je suis en train de le lire. Pal des cartes mitigées, donc au mois de septembre, nous sommes le 28 septembre, il me reste 3 jours si on inclut aujourd'hui, 28, 29, 30. Je suis pas sûre que je vais y arriver, peut-être que je réussirai à finir Babel et que j'arriverai à lire celui-là parce qu'il est pas très long. Mais j'ai très peur que Ivy Wild et The Last Tale of the Flower Bride, ce soit pour une autre fois, éventuellement le mois prochain si j'y arrive, mais rien n'est moins sûr parce que j'ai des sacrés pavés. Et du coup, sans plus attendre, on est parti avec le premier round. Comme c'est un plateau spécifique, on va partir de la case Go et on est parti pour le premier round. Et ça commence bien, c'est un double. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feed scroll. Du coup, je suis partie sur Instagram et on va voir ensemble le premier titre qui pop. Que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai pas encore lu. Évidemment, s'il est dans ma pile à lire, c'est que je ne l'ai pas encore lu. Donc, on va essayer de regarder ensemble si je tombe sur un titre. Ça m'embête parce que du coup, je peux pas vraiment choisir. Alors, est-ce que j'arrive à poser ça? Voilà, ce sera plus simple. En plus, je suis à l'envers par rapport à vous. Ok, donc celui-là, je ne l'ai pas. Oh non! Bon. Le sang et la cendre, c'était celui qui était présenté dans cette vidéo et que j'ai dans ma pile à lire dans l'édition grand format. Mais voilà, celui-là. Bon, ben c'est parti pour celui-là. C'était pas prévu, mais tant pis. Pas de surprise du coup pour le premier roll, puisque je suis tombée sur la case feed scroll et que malheureusement. Cette fois-ci, ça m'arrangeait pas. Autant la dernière fois, ça m'arrangeait parce que j'avais très envie, très 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 envie de lire le livre. D'ailleurs, je ne me souviens plus ce que c'était. Les disparus du pays imaginaire. Bon, finalement, je ne l'ai pas tellement aimé. Mais j'avais envie de le lire. Autant là, celui-là, j'ai aussi très envie de le lire, mais pas maintenant. J'ai pas spécialement envie de commencer une nouvelle série, surtout une série qui est composée exclusivement de pavés. Mais c'est pas grave, Instagram a rendu son verdict. Je vais lire Le sang et la cendre de Jennifer Alarmentrout. C'est le tome 1 de sa série.
qui s'appelle Je sais plus comment. On va dire que c'est aussi le titre de la série, je ne sais plus. Alors, dans cette histoire, donc c'est de la fantasy romance. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui est censée vouer sa vie à Dieu, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, elle est... pas l'élu, mais disons qu'elle est vierge et elle est censée le rester pour une raison particulière. Est-ce que c'est pour un sacrifice? Est-ce que c'est pour la religion? Je ne sais plus exactement. Mais elle va être, on va lui assigner un garde du corps pour veiller à sa sécurité et aussi pour l'empêcher de éventuellement faire une bêtise. Et je vous laisse deviner la suite. Je vous ai dit que c'était une fantasy romance, donc bon. Apparemment, on a pas mal de créatures fantastiques dans cette histoire. Les couleurs font vraiment très Halloween. Pense que de toute façon c'est de la fantasy, donc c'est pour moi c'est Halloweenesque à partir du moment où c'est de la fantasy, même si c'est de la light fantasy. Voilà, donc c'est l'édition de Saxus reliée avec les pages, avec le hardback en foil, et il est vraiment très très gros et ça m'embête énormément, mais bon, c'est comme ça. Rôle numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Community Shelf, ça correspond à mes cartes Welcome to Hell. Les critères de sélection qui sont pas forcément hyper sympas parce qu'en général ça m'empêche de choisir un titre. Et c'est la dernière carte que j'ai pas encore piochée depuis que j'ai lancé la palle des cartes. Donc une fois qu'on aura pioché celle-ci, je remettrai les autres de manière à ce qu'on puisse continuer à jouer avec. Et du coup la dernière c'est... Oldest. Ah, writing date. Donc il faut que je sorte le titre qui a été écrit il y a le plus longtemps dans ma pile à lire. Et non pas celui que j'ai acheté il y a le plus longtemps. Ensuite, je suis tombée sur la case Community Shelf. Et il ne me restait qu'une seule carte qu'on n'avait pas encore eue depuis le début de la palle des cartes. Du coup, sur la carte Community Shelf, on me demandait de sortir de ma pile à lire le livre le plus vieux. Mais pas le livre que j'ai acheté il y a le plus longtemps, le livre qui a été écrit il y a le plus longtemps. Donc l'histoire la plus ancienne de ma pile à lire. Et il se trouve que cette histoire, c'est Amour et amitié de Jane Austen. Évidemment, c'est un classique. Et alors, je n'ai pas de résumé, mais si je ne me trompe pas, cette histoire est inspirée par la vie de l'autrice. Oui, c'est ça. Alors, inspirée par sa vie, je ne sais pas, mais... on va y retrouver des lettres, les lettres que l'autrice a écrites à sa sœur, et peut-être inversement les lettres qu'elle a reçues de sa sœur, je ne sais plus. Mais du coup, c'est pas vraiment une œuvre de fiction. Il n'empêche que c'est le livre qui a été écrit il y a le plus longtemps dans ma pile à lire, et c'est mon autrice favorite, donc je suis contente parce que je crois que c'est un des seuls titres d'elle qu'il me reste à découvrir. Donc c'est plutôt cool, et même si c'est un classique, ça ne me dérange pas du tout, c'est écrit très gros. C'est assez épais, mais le fait que ce soit sous format épistolaire, ça devrait aller assez vite. Du coup, j'ai sorti les anciennes cartes Welcome to Hell. J'ai enlevé celles que je viens de piocher pour qu'on n'ait pas à chaque fois les mêmes. Et on est parti tout de suite pour le troisième rôle. Non ! 10 et c'est un double de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Candy Corn. Ensuite, je suis tombée sur la case Candy Corn. Donc Candy Corn, pour cette case, il faut lire un livre sweet, sucré, sans prise de tête, sans gros enjeux, un truc très facile à lire, soit une romance, soit une cozy mystery par exemple, une cozy fantasy. Et je me suis dit que la jeunesse, ça rentrait assez bien là-dedans. Et j'ai sorti du coup un des livres les plus courts de ma pile à lire, qui en plus est gourmand, donc je me suis dit ça passe. C'est La Maison au Cola et autres contes délicats de Clémentine Ferry et illustré par Sanoé. J'ai lu Le Bois sans dessus dessous il y a quelques mois, il me semble, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un recueil de plusieurs histoires, avec à chaque fois des sublimes illustrations, y compris une partie en couleur. C'est des recettes, je rêve pas. Non, c'est pas des recettes, mais... Pour le côté gourmand, je trouve qu'on est plutôt bien. Donc j'ai sorti celui-ci de ma pile à lire. Ce sont des animaux à chaque fois qui vivent des aventures. C'est écrit extrêmement gros. Voilà, donc je pense que mon choix est plutôt valide pour cette catégorie. Le numéro 4. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 big books over 500 pages. Il faut que ce soit un livre qui fasse plus de 500 pages. Ensuite, je suis tombée sur la case Big Book, pourquoi pas. Et je ne voulais pas préciser, mais vous l'avez vu, hein, on a déjà fait deux doubles, donc il y aura 7 rolls au total et non pas 5. Donc pour la catégorie Big Book, évidemment, un livre qui fait plus de 500 pages. Je ne vous ai pas précisé, mais j'ai tenté dans la mesure du possible de faire entrer mes livres sélectionnés pour le Pumpkin Autumn Challenge dans ma pile à lire du Spookoplaton. Je vous préciserai à chaque fois pour quelle catégorie je les ai lus dans mes wrap-up. Donc vous aurez déjà quelques critères du Pumpkin Autumn Challenge complétés dans mon wrap-up du mois de septembre, qui devrait arriver, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine pour vous. Donc, je vous dis ça parce que celui-ci, le Big Book, il fait pile poil 500 pages. Et normalement, Big Book, c'est plus de 500 pages. Mais je me dis que c'est assez proche pour compter et c'était le seul dans mes livres sélectionnés pour le Pumpkin Autumn Challenge qui était aussi gros. Et du coup, j'ai sorti Cruel Illusions de Margie Fuston. C'est de la romantaisie à nouveau, c'est une édition Fairy Loot, on va parler de vampires. Et d'un spectacle de magie, il me semble. Et en fait, on a une jeune femme qui veut retrouver des vampires parce qu'elle croit qu'ils sont responsables de la mort d'un de ses parents. Il est question d'une compétition de magie, de magiciens, de romance et de vampires. Voilà. Donc, je suis inspirée par les vampires. C'est la période, c'est ma créature fantastique préférée. Et pour un tas d'autres raisons, j'ai envie de lire des titres de vampires en ce moment, pour une raison en particulier, que je ne vous dévoilerai pas, secret professionnel. Voilà, donc j'ai très très hâte, même si 500 pages, c'est quand même beaucoup. C'est pas écrit très gros. Oups. Donc je l'appréhende un petit peu. Pas au niveau du vocabulaire ou quoi, juste parce qu'il est long et ça va me prendre un certain temps, je pense, de le lire malheureusement. Au numéro 5. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They're burning the witches even if you aren't one. Ensuite, je suis tombée sur la case They're burning the witches even if you aren't one. Ils brûlent les sorcières même si tu n'en es pas une. Et pour cette case, il faut lire un livre avec des sorcières. Avec des sorcières ou bien l'occulte, un culte quelconque ou des rituels. Et j'ai sorti un livre de sorcières. Mais pour lire ce livre-là, je voudrais d'abord relire le tome 1. Donc ça rajoute un livre à ma pile à lire. Et j'ai sorti Les Tribulations d'Esther Parmentier, le tome 2, Trafic sanglant, vampire sur les dents, de Maëlle de Sarre. J'ai trop trop hâte de le lire. Il est dédicacé par l'autrice. Là encore, une histoire de vampire. Et j'avais adoré le tome 1 que j'avais découvert, je crois, dans le cadre du PLIB. L'année dernière ou il y a 2 ans. C'était vraiment génial. Bourré d'humour. Ça se passait en partie en Alsace. Donc, étant moi-même pas alsacienne, mais vivant en Alsace, j'avais adoré. C'était vraiment génial. J'ai très très hâte d'y retourner, mais je veux vraiment relire le tome 1 parce que j'ai oublié plein d'éléments. Je me souviens qu'il y a un personnage qui m'avait particulièrement touchée, que j'avais adoré, mais je me souviens plus très très bien de comment toute l'histoire se goupille et des autres personnages qui, à mon avis, sont quand même importants. Donc je vais relire le tome 1. Heureusement, c'est de la jeunesse, jeune ado, on va dire, je dirais à partir de 11 ans, ouais, je pense, parce qu'il y a de l'humour qui est parfois un petit peu pas graveleux, mais presque. Voilà, donc j'avais adoré le tome 1, je vais relire le tome 1 et lire le tome 2, mais il faut que je récupère le tome 1, il faut que j'emprunte à la médiathèque, parce que le mien il est dans les cartons au garage. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Esther Parmentier qui vit sa vie jusqu'au jour où elle va arriver sur une scène de crime. La police est là, enfin il y a plein de personnes qui sont autour, bon elle jette un œil. Comme c'est souvent le cas quand vous arrivez près de quelque chose qui se passe, on est un peu curieux, la curiosité morbide quoi. Et il y a un agent sur place qui s'appelle Logan, je suis pas sûre que ce soit, il est au fond là derrière, qui va la repérer et se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est une sorcière alors qu'elle-même ne le savait pas. Et donc ils vont l'engager en tant que sorcière stagiaire pour les aider, enfin l'organisation va l'engager pour l'aider à résoudre des crimes.
Voilà. Il y a plein de créatures fantastiques différentes. On a des vampires, on a des loups-garous, on a des fantômes, je crois, des ghouls. Plein de choses. Des sorcières, évidemment. Donc, sorcière, ça marche pour ce prompt. Rôle numéro 6. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are you out of the woods yet? Ensuite, je suis tombée sur la case Are you out of the woods yet? Of the woods, peut-être avec un S. Of the woods. Il y a un S. Are you out of the woods yet? Est-ce que tu es déjà sorti du bois? Et pour cela, il faut lire un livre qui se déroule dans une forêt, dans un bois, dans un milieu avec des arbres. Ou alors un livre qui a des arbres sur la couverture. Ou alors une histoire qui se déroule dans un milieu isolé, dans un pays ou dans un environnement rural. Ce genre de choses. Alors, j'ai un peu tiré la corde pour celle-ci. Parce que dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, il n'y a pas un seul livre avec des arbres sur la couverture. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Du coup, j'ai sorti La Maison des Feuilles. Feuilles. Je me dis, ça passe. Et quand on regarde la couverture, alors quand on regarde la couverture comme ça, ici il y a un petit bout. Et en fait, quand on l'ouvre, on voit qu'il y a une branche. Donc je me dis, c'est suffisamment proche de du critère pour marcher. Pourquoi elle m'affiche ça? Alors, premièrement, merci à Mathilde de m'avoir offert ce livre pour mon anniversaire. C'est un livre qui m'intrigue depuis très longtemps, qui est dans ma pile à lire depuis un petit bout de temps. Et globalement, donc c'est écrit par Mark Z. Danilewski. Et c'est, je sais plus, Toussaint Louverture, oui c'est ça, j'avais un doute, c'est les éditions Toussaint Louverture qui l'ont réédité, parce qu'il est sorti il y a quelques années je crois, en grand format, en couleur, etc. Alors, globalement cette histoire, tout ce que je sais c'est qu'on a quelqu'un ou une famille qui va acheter une maison, la maison des feuilles, qui va emménager, ou qui va vouloir faire un reportage sur cette maison peut-être. Alors, ils vont pas faire le reportage tout de suite. D'abord, ils emménagent et ils vont se rendre compte un beau jour qu'il y a une nouvelle pièce qui vient d'apparaître dans la maison. Pas une pièce qui était là depuis toujours et qu'ils n'avaient pas encore découverte, mais une pièce qui n'existait pas avant et qui, un beau matin, apparaît dans la maison. Et de plus en plus de choses bizarres comme ça vont commencer à arriver. Donc, ils vont décider de mettre en place une équipe d'explorateurs chevronnés pour faire un reportage et explorer cette maison. C'est un livre qui est construit de manière très 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 particulière. Puisque on a, globalement, on assiste au reportage. Mais il se passe des choses tellement bizarres dans cette maison que le livre lui-même devient bizarre. Donc, j'ai très très hâte de le lire. Mais en même temps, je vous avoue que ça me fait un peu peur. Parce que j'ai... En fait, ce qui me fait peur, c'est de pas réussir à m'y retrouver. Je sais pas comment il faut que je le lise. Est-ce qu'il faut d'abord que je lise le texte? Est-ce qu'il faut ensuite que je revienne pour lire les commentaires? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je lise tout en même temps? Voilà. Donc, en plus, c'est un sacré pavé. Il fait, je sais pas combien de pages. 692 pages. Et alors, pour être honnête avec vous, je n'ai pas prévu de poser de vacances au mois d'octobre. Au contraire, je vais faire approximativement une quarantaine d'heures sup à cause d'un événement qu'on organise au boulot. Événement lié à mon envie de lire des vampires. Donc je vais avoir encore moins de temps pour lire en octobre qu'au cours des mois. Là c'est même carrément écrit à l'envers. Qu'au cours des mois qui ont précédé. C'est pas grave. Vu qu'il y a plein de pages vides, on va se dire que ça va quand même aller vite. On
se rassure comme on peut, hein, qu'est-ce que vous voulez. Rôle numéro 7. Oups. C'est bon, c'est le dernier. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Broken Mirrors. Ensuite, je suis tombée sur la case Broken Mirror. Donc, 7 ans de malheur, puisque c'est un miroir cassé. Et pour éviter 7 ans de malheur, il faut lire un livre. Alors, soit avec une couverture qui se reflète un petit peu. Par exemple, je sais que Cruel Illusions, si je ne me trompe pas. Alors, non, la maison des feuilles, non. Mais Cruel Illusions, oups. Si vous regardez en bas, en haut un peu moins, mais si vous regardez en bas, les roses sont les mêmes. Et si on met un miroir au milieu, là, la couverture se reflète. Et le château aussi, c'est exactement le même. Là, voilà. Donc ça, ça marcherait éventuellement, mais je l'ai déjà sorti pour autre chose. Donc une couverture qui se reflète avec effet miroir, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ou bien un livre avec un miroir sur la couverture ou dans le titre. Ou encore un livre avec une couverture sur laquelle il y a des fissures, des craquelures comme un miroir. C'est ce critère que j'ai choisi et là encore j'ai un peu tiré la corde puisque j'ai sorti A Diary of Blood de Estig Gibson et... Alors c'est pas vraiment des craquelures mais si vous regardez bien la tache de peinture ou de sang, il y a, on va dire ici, il y a comme des craquelures. Voilà. Donc... Ouais, je sais, c'est limite, mais on fait ce qu'on peut, et de toute façon, tous les critères de sélection sont soumis à interprétation. Donc, j'estime que ça compte, et au pire, si je mets un miroir au milieu, le cadre se reflète à la perfection. Donc, on est bon. C'est une réécriture de Dracula, mais c'est un roman épistolaire du point de vue de sa première épouse. C'est tout ce que je sais, je crois que c'est de la fantasy romance saphique. Il est assez court et comme c'est écrit de manière épistolaire, je me dis que ça devrait aller vite. Les chapitres sont assez courts, il me semble. Là encore, une édition Fairyloot et là encore, un livre en VO qui parle de vampires. Et comme d'habitude, on termine avec la lecture bonus en VO. 18, je l'ai déjà lu. 7, Fire with Fire. Et pas de surprise pour ma lecture bonus en VO, ce sera Fire with Fire de Destiny Soraya. Je crois qu'on est sur une histoire de sororité. Oui. Two sisters divided by burn. Donc, on est effectivement sur une histoire de sœurs, mais à part ça... Oh, il y a un dragon. Ah oui! Ça y est, je me souviens de l'histoire du coup, cette histoire de dragon. Elles sont censées chasser les dragons. L'une d'elles est pour et l'autre est contre. Parce qu'elle considère que les dragons ne sont pas forcément dangereux et c'est des créatures qui ne sont dangereuses que si on les accule, en fait. Elles sont nées pour tuer des dragons. Mais c'est la seule chose qu'elles ont en commun. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles rencontre un dragon et crée un lien rare et magique avec lui. Voilà. Donc on a des dragons, des sœurs. Je pense qu'on est sur une histoire assez young adulte, même peut-être un peu plus jeune que young adulte, peut-être ado. Je dirais peut-être 14 ans. Je vais voir à la lecture. Donc je suis pas sûre qu'il me plaise autant que les autres qui sont quand même plus adultes. Mais on verra. Ça rajoute un peu de couleur à cette pile à lire jusqu'à présent très automnale. Mais il est dans les tons un peu orangés comme ça. Si on occulte un peu le bleu, orangé, rouge. Ça passe quand même. Et voilà, du coup, ma pile à lire pour le Spookopolathon. Ma pile à lire du mois d'octobre. Sachant qu'il faut rajouter à ça le tome 1 d'Esther Parmentier. Mais comme c'est une relecture et que c'est du français et que c'est de la jeunesse, ça devrait se lire assez vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez envie de faire une lecture commune sur un de ces titres, sachant que je vais les découper là maintenant parce que comme il y a énormément de pages, je sens que ça va être l'enfer. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos, il y a toujours le lien vers mon profil Livre Addict. Je vous rajouterai le lien vers mon calendrier parce que dans le calendrier, je précise quel livre je lis et quel morceau de quel livre je lis. Je découpe mes lectures en fait grâce au calendrier Livre Addict depuis le mois de septembre parce que ça me permet, si je ne suis pas à la maison et que j'ai pas mes carnets sous la main, de quand même avoir une trace de là où je suis censée en être. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !
Mmh.